Eh bien, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier Parlons 2. Donc, le sujet aujourd'hui sera Tekken 7. Jingle! Et non, j'en ai pas fait pour tous mes projets, parce que je les mets en place. Donc, du coup, pour l'instant, j'ai pas tout fait. Donc, après, si ça vous intéresserait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai, ce n'est pas un problème. Et donc, du coup, on va commencer ce sujet avec le trailer. If I die, if I can't stop Heihachi, then you must do it for me. Kazuya? That boy is still too young. And Heihachi will soon realize that he was born with my powers. Heihachi is more powerful than you realize. Who knows what Heihachi will do to Kazuya, or to countless others. It is up to me. I must stop Heihachi. You killed my mother. Even if this power consumes me, and kills me in the process. This ends here! Heihachi. And he loves me. Donc on va analyser ce trailer qui m'a l'air plutôt intéressant parce que déjà c'est une dame qu'on connaît pas à moins qu'on l'ait vu dans les anciens Tekken, mais je pense pas. Donc c'est une dame qui nous raconte qui nous dit qu'il faut stopper Heihachi, donc c'est le vieux. Et le deuxième personnage est Kazuya, donc son fils normalement biologique. Et on a pu apercevoir dans ce trailer Kazuya qui s'est transformé en Devil Kazuya. Donc ce qui est intéressant, parce qu'à mon avis, ça veut dire qu'on l'aura dans Tekken 7. Et le trailer est plutôt intéressant, donc déjà joli, il est très beau. Et ensuite, bah, on voit la rivalité entre le père et le fils, qui a toujours été dans les séries Tekken. Je vais pas vous parler de l'univers aujourd'hui, parce que c'est pas le sujet. Mais je vous en parlerai, je ferai sûrement une vidéo multi-univers dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et donc le trailer s'arrête à peu près là. En gros, on nous dit qu'il faut stopper Heihachi, et c'est à son fils Kazuya de le faire. Et la dame dit qu'elle aime Heihachi, et qu'apparemment lui aussi l'aime. Et donc du coup, le trailer s'arrête là. Je vais vous mettre un gameplay sur le côté pour pouvoir illustrer mes propos. Donc du coup, on a toujours les mêmes personnages qui sont présents dans Tekken 7. Donc on a Nina, Lau, Paul, on a plein de personnages donc, qui sont phares de la série. Et des nouveaux personnages que je n'ai pas vu, que j'ai pas beaucoup vu. Donc je pourrais pas trop vous en parler.
comme je vous ai déjà dit, c'est un jeu que j'attends avec impatience. Donc du coup, on va voir le pour et le contre de ce jeu. Donc alors, le pour, c'est qu'il est, comme je vous ai dit par rapport au trailer, très joli. Donc ça fait déjà un bon point. Après, on a toujours donc les nouveaux personnages qui ramènent un peu plus de gameplay. Il y aura des nouveautés suite aux nouveaux personnages. Mais sinon, après, le gameplay il va être plutôt répétitif, quoi. Mais bon, donc pour l'instant, j'ai vu que des combats comme ça. Il y aura forcément un mode histoire. Parce que dans tous les Tekken, il y en a un. Donc j'imagine que Tekken 7 va pas faire exception. Du moins, j'espère. Parce que ça, c'est un plus. Parce que j'aime bien les histoires de Tekken. Même s'ils changent plutôt de façon de faire. Parce que Tekken 5, on était donc avec Jin qui se transformait en Deluxe Jin. Et c'était plutôt intéressant parce qu'on devait alterner entre les deux. Et donc dans Tekken 6, on avait le choix, donc comme Tekken 4 de mémoire, on avait le choix de choisir le personnage qu'on voulait. Et on faisait des stages en fait. Il y avait juste des stages à faire. Que dans Tekken 5, il y avait aussi un moment de réflexion. Parce qu'en fait, on avait une grande map. Donc on était avec Devil Jin, ou Jin, comme on voulait. Et donc après, on devait détruire des choses pour ouvrir des portes pour pouvoir passer. Donc ce qui était un peu plus intéressant, parce qu'on devait réfléchir. Que dans Tekken 6, non, c'était juste du bourrinage. C'était un jeu de combat pur, quoi. Pur et dur. Donc le mode solo, j'espère qu'il sera un peu comme Tekken 5. Ou pourquoi pas alterner, prendre un Tekken 5 et pouvoir choisir justement son personnage. Mais du même principe que Tekken 5, ça serait intéressant je pense. Les plus pour moi c'est le mode histoire qui est cool à chaque fois. On a aussi le graphisme qui est super beau. Donc ça c'est un gros plus même si les Tekken... Ils ont toujours été beaux même si les tout premiers là ils ont pas l'air excessivement beaux. Mais à l'époque ça devait être beau. J'espère qu'ils auront gardé le système de hiérarchie entre guillemets. Donc quand on jouait avec un personnage, on pouvait l'améliorer. Donc ça c'est intéressant. Mais je crois qu'il y est dans tous les Tekken. Donc techniquement, à part les premiers, techniquement ils vont le garder parce que ça c'est un bon truc. Et j'ai aussi vu qu'il y avait un système d'objets. Donc ça, je sais pas si c'est un point positif ou négatif. C'est pour ça que j'ai mis ni dans l'un ni dans l'autre. Dans des gameplays ou dans le trailer, j'ai vu... qu'il y avait par exemple un poisson qui pouvait être volé par l'autre joueur. Donc j'imagine qu'on va pouvoir utiliser des objets. Donc le poisson, j'ai vu qu'il servait à taper l'autre personne. Mais je sais pas s'il y aura d'autres objets, si ça sera des objets justement à main, genre une batte, des trucs comme ça pour faire un peu plus de dégâts, ou si ça sera des guns ou des mitraillettes. J'espère qu'ils seront pas cheatés quoi, s'il y a un lance-flamme. Voilà quoi, dans le multijoueur ça sert pas à grand chose. Le poisson à la rigueur pour faire un peu plus de dégâts, ça passe. Mais après si c'est un truc genre un gun ou un truc comme ça, ça va être moins intéressant et ça sera moins de combat entre guillemets. Parce que si on a un mini-gun et l'autre il a un FAMAS en face, ça devient un FPS quoi. Mais donc du coup si c'est que des objets comme ça, ça me dérange pas trop. Dans Tekken 6, dans le mode histoire, on avait justement des objets cachés dans des... ou en tuant des ennemis on avait des objets qui justement nous permettaient de les attaquer. Donc on avait des miniguns, des trucs comme ça qui étaient intéressants, mais dans le multijoueur on n'avait pas d'objets à part les objets qu'on met sur nos personnages, qui est bien parce que moi j'aime bien ne pas avoir le personnage de base, j'aime bien justement lui rajouter un petit chapeau, un truc comme ça, ça c'est cool. Donc du coup on n'avait pas d'objets à utiliser en multijoueur, ça c'est un plus. Le point négatif de ce Tekken, comme un peu tous les autres Tekken, c'est que le gameplay n'est pas trop varié quoi. On a une liste de coups, après c'est les mêmes pour chaque Tekken en fait, je pense. En fait, tous ceux qu'on jouait avec Paul, du Tekken 1 au Tekken 7, ils ont les mêmes... Je crois qu'il a exactement les mêmes coups, donc c'est un peu moins intéressant et c'est pas un bon point quoi. Et donc moi, Tekken 7, c'est un jeu que j'attends, donc je l'achèterai sûrement, parce que Tekken, c'est une série que j'aime bien, et je ferai peut-être un multi-univers dessus, justement pour vous expliquer Tekken, et ce jeu va sortir durant juin,
Je crois que c'est début juin qui sort le Tekken 7, ou alors fin juin. Et donc du coup je l'achèterai, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo dessus. Si je fasse par exemple comme j'ai fait avec G-Star avec mon frère. Quant à moi je vous dis à bientôt pour un autre Parlons 2 qui va être sur un autre jeu, un autre type. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me dire si elle vous a plu ou pas. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça au moins moi je saurai si je fais de bonnes ou de mauvaises vidéos. Et comme ça je pourrai essayer d'augmenter la qualité de mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi je vous dis à bientôt pour un prochain Parlons 2.